Alors aujourd'hui, je vous amène chez un grossiste, donc au service du particulier, qui fait des produits ménagers d'hygiène, de soins et de beauté. Alors voilà sa brochure. Donc en fait, ça s'appelle Espace Discount 13. Donc c'est une dame qui est très gentille, qui habite d'ailleurs dans mon village et qui tient cet espace, enfin ce petit magasin. Que je trouve super sympathique. En plus, elle est vraiment au service de la personne. Son but, c'est pas de faire du chiffre, c'est vraiment de satisfaire son client. Et vraiment, j'adhère complètement. Ensuite, elle ne vend que des produits qu'elle a testés elle-même et donc qu'elle a aimé. Voilà. Et c'est parti pour un petit tour au magasin. Donc en fait, il y a les désinfectants multisurface, barrière insectes également, donc ça c'est super pour l'été. Ensuite, elle a aussi donc du savon liquide pour les mains. Et ici, c'est la gamme Aloe Vera. Donc il y a pas mal de promos en ce moment, donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous habitez dans le 13. Donc là, ce sont les shampoings, les dentifrices, etc. Il y a pas mal de produits. Là, c'est le nettoyant pour le sol, liquide vaisselle et la lessive. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de produits. Donc là, c'est un dégraissant surpuissant pour les graisses cuites. Franchement, ça, c'est vraiment à tester. Et là, le vinaigre ménager, donc à 14%, et en plus, il est gélifié. Donc en fait, le but, là, c'est de réutiliser vos bidons. Donc au départ, vous payez la consigne et ensuite vous venez par exemple ici, l'assouplissant. Il y en a 4 sortes. 1,60 le litre. Si vous voulez 2 litres, c'est 3 euros. Et 7 euros les 5 litres. Voilà. Pareil pour la lessive. Et voilà, là, du coup, les lessives liquides, donc savon de Marseille, lavande, etc. Les nettoyants sol et nettoyants vitres pour 3 euros, il est en promotion en ce moment. Le détergent multisurface, donc, qui fait détergent et désodorisant, 5,50 les 8 unidoses. Et ça sent super bon. Alors, ici, nous avons le nettoyant vitre que je vous ai montré avec les différents packaging. Ici, le liquide vaisselle concentré. Et là, du savon noir liquide pour le sol. Les dégraissants multisurface en promotion également. Et là, donc, c'est le multisurface sol 3D désinfectant et désodorisant. Et là, pour les sols à l'huile de lin. Voilà, alors ici, différents produits, comme vous pouvez le voir, l'acide citrique, des chiffons, microfibres, des sacs poubelles et des éponges, etc. Liquide de rinçage, tout pour le lave-vaisselle. Alors là, des shampoings, pareil en promotion, anti-pelliculaire pour cheveux crépus, frisés, etc. La vendeuse ne manquera pas de vous donner des conseils. Et il y a aussi de la cire à l'eau. Ici, les masques Botox pour celles qui font des lissages. Et là, il y a d'autres masques pour cheveux. C'est quand même des gros contenants. Hein. C'est des contenants d'un kilo. Il y en a 750 ml, etc. Des petits vernis, des brosses à dents. Alors ça, c'est super. J'en ai une. Franchement, c'est génial. Vraiment, pour le tartre, c'est... Voilà. Brosse à dents en bambou. Là, des glosses à lèvres à 99% d'aloe vera à 1,99. Le sachet en thé en silicone, franchement, j'avais jamais vu. Ils sont super sympas. Et là, en fait, des masques au charbon, 1 euro pièce en sachet, unidose. Là, les petites boules donc de lavage, etc. Et pour finir, du gel hydroalcoolique et du charbon pour les dents. Des sachets de lessive en poudre, 6 euros le kilo. Deux pailles en bambou avec la brosse pour nettoyer. Donc... ça c'est super aussi, c'est écologique. Des pailles en silicone ainsi qu'un savon donc en acier pour nettoyer les mauvaises odeurs, vous savez, sur les mains quand ça reste comme l'ail, etc. Ça les nettoie. Ici, le coton-tige réutilisable, pareil en silicone, et le charbon. Donc
Et voilà, alors en fait je vais vous montrer ce que j'ai pris chez du coup le discounter en question. Donc ça c'est ce que je cherchais, ça fait un petit moment. Ce sont des cotons-tiges. Donc regardez, c'est une matière en silicone avec des petits picots, vous voyez hein. Des petits picots, donc après on les nettoie. Et voilà, les deux côtés sont identiques. Donc il y avait celui-là, je vous l'ai montré en fait juste avant. Et en fait, il y a un coton-tige normal, mais c'est pas un coton, c'est pareil, c'est du silicone. C'est pour le maquillage. Voilà. Et là, pareil pour enlever en fait le mascara qui est cool ou le eyeliner qu'on ne met pas bien. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis fan du coton-tige avec les picots. Et donc le deuxième article que j'ai acheté, j'ai pas pris grand-chose parce qu'en fait, j'avais déjà de l'avance en lessive et en adoucissant. Là, on verra par la suite. Par contre, ce que j'ai pris, c'est ça. Ça, j'en ai été... Quand j'ai vu vinaigre ménager gélifié, j'ai dit, mais ça, c'est top. Vous vous rendez compte, il était à 9,20€ et c'est passé à 5 euros. 5 euros les 2 litres. Là, il y a 2 litres. Voilà. Donc, franchement, c'est super. La vérité, je voulais l'utiliser sur ma paroi de douche. Parce que ben, la paroi de douche, quand on met du vinaigre, voilà, ça coule. Donc ça accroche pas. Et là je vais tester du coup sur ma paroi de douche. Donc voilà, je vous montre ma paroi de douche. Hein, vous voyez, bon, ça c'est à l'intérieur. Hein. L'extérieur, c'est pas comme ça. C'est à l'intérieur. Et vous voyez bien, j'ai pas essuyé après. Normalement j'essuie après. Hein, pour qu'il y ait moins de tartre. Mais là vous voyez bien, il y a du tartre. Voilà. Donc je vais essayer avec le gel. Je viens mettre un peu de vinaigre gélifié sur un chiffon et je vais appliquer ça directement sur la paroi pure. Voilà, donc vous voyez très bien, ça accroche à la paroi, c'est super, ça coule pas. Moi ce que je vais faire, ah, on voit trop bien les rainures quand on passe un coup, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser et nettoyer. Franchement, nickel. Regardez, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est un truc de malade. Alors, je suis trop contente. Alors là, je vous le recommande. Hein. Allez-y, hein, je vous le dis. Donc, des stockages, là, je recommande à 100%. Ah oui, sinon, celle qui serait intéressée par ça, là, je l'ai pris à comment ça s'appelle, à Lidl. Donc ce qui est bien, c'est que là j'ai le bras, ça se vend tout seul. Hein. Il y a le bras et ça qu'on peut prendre à la main tout seul. Et voilà, la paroi de douche est nettoyée. Franchement, je recommande ce vinaigre, vraiment super. Par contre, quand on a une petite salle de bain comme la mienne, franchement, quand on le met, il est enivrant, donc vaut mieux ouvrir la fenêtre. Voilà, sinon, super. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de commenter pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.